En marge de la Journée internationale du don de sang, le centre hospitalier Moncolé a organisé en collaboration avec l'association de donneurs bénévoles du sang Moncolé une journée d'information au grand public sur les dons bénévoles du sang. Chaque donneur est un héros et les thèmes retenus pour cette journée mondiale. Ces thèmes mettent l'accent sur l'idée que chacun d'entre nous peut devenir un héros en donnant son sang, tout en rendant hommage aux héros silencieux et anonymes qui sauvent chaque jour des vies humaines par leur don de sang. Prenant la parole, le chargé de formation du Centre national de transfusion sanguine, Dr Kabamba Paul, a encouragé les donneurs bénévoles à donner davantage et régulièrement leur sang pour sauver les vies humaines. Bon, comme je l'ai dit dans mon mot, cette journée révèle, selon les organisations internationales, les associations de donneurs bénévoles, quatre objectifs. D'abord, le premier objectif, c'est de remercier et de renforcer l'estime de soi des personnes qui donnent. Donc, ils doivent se sentir qu'ils sont valeureux. Le deuxième objectif, c'est d'inciter les gens qui ne donnent pas, qui sont en bonne santé, de donner de leur sang pour sauver des vies humaines. Et le troisième objectif, c'est d'inciter le personnel des services, des soins, donc les hôpitaux, à reconnaître que ces gens-là qui donnent le sang pour sauver des vies humaines, ce sont des héros. Donc, la personne qui donne un sang pour sauver une vie, c'est un héros. Le quatrième objectif, c'est d'inciter le ministère de la Santé publique des pays membres de faire un plaidoyer pour le financement des activités du don bénévole de sang. À cette même occasion, des diplômes d'honneur ont été remis aux donneurs fidélisés pour les encourager pour leurs dons salvateurs qu'ils font chaque année. Approchés, les donneurs honorés n'ont pas caché leur joie. Ah oui, je suis très heureux, très content, surtout de voir des gens donner le sang. On donne le sang pour sauver des vies. On donne le sang aux personnes qu'on ne connaît même pas, qu'on n'a jamais vues. Pour moi, c'est vraiment un acte de générosité. Et c'est pourquoi j'invite tant de gens de donner le sang. Ce serait mieux même dans les familles, dans chacune des familles, qu'ils puissent avoir un ou deux donneurs, pourquoi pas. Dans le but de lier la parole à l'acte, des prélèvements de sang ont été réalisés auprès des donneurs habituels et occasionnels par des infirmiers et infirmières de Moncolé.